bandits sont plus bien organisés que la police nationale d'Haïti. Moi, j'ai fait interview avec une quantité de policiers. Dans les policiers, il y a toute unité. Il y a qui dans Boyd, il y a qui dans Udmo, il y a qui dans Brie, il y a qui dans Swat et Latrier. C'est des policiers qui me parlent avec eux sous le couvert d'anonymat. Et puis, première question que je me posais, policiers, pour me commencer l'interview, je me dis, policiers, comme ça, est-ce que nous pensons que ça n'y a là comme insécurité, la police qui a résolu? Ils disent, oui, la police est capable. Même si ça passe, ils disent, premier bagage, il faut une volonté politique. Volonté politique, ni dans le niveau CSPN, non, volonté politique, ni dans le niveau au commandement. Et là, ça, nous partageons avec des témoignages. Nous disons, un, yo comme des opérations, yo presque principe là, et puis moun qui dans tête opération recevront coup de fil de un moun qui dans au commandement qui dit comme ça que nous met annuler opération ou bien retourner. Et probablement moun ça qui dans au commandement qui relé moun qui a géré opération bien. Exactement, li bon côté recevoir l'autre là. Donc police a pas gain choix, qu'on a l'obligé qu'on y a là obéir à l'autre là, yo fait back. C'est pas pour sans raison qu'il faudrait des opérations qui échouer. Et en témoin, nous songeons opération, l'état pour Anel dans la machine de Saline. Nous voyons que mobilisation était faite. Et nous voyons rapide, vite, comment la machine était tournée rapide. C'est coup de fil que tu recevoir. Deuxième bagaille, nous avons dit que nous avons un problème d'équipement et de matériel, effectivement. Parce que nous avons partagé un bas avec nous, nous avons passé ça dans un reportage là. Nous avons dit que nous avons comment comprendre que les bandits ont goûté avec nous. Les bandits ont goûté, les bandits ont gagné cartouche par Doom, par Bokit. Au contraire, les bandits ont lui-même gagné des gens qui potaient Doom cartouche. Il y a des gens qui portent beaucoup de cartouches. C'est ça que vous n'en faites seulement. Il n'y a pas des armes d'amène. Alors que un policier qui peut aller dans en opération, c'est compter à compter combien de cartouches pour Bali. Ou bien 10 là, ou bien 15, ou bien 20. Et chaque grain de cartouche qui tire dans les armes, il est obligé de faire un rapport pour lui dire mais comment il a été fait tirer. Donc il vient faire que il est obligé qu'on a essayé de gérer tête tout par rapport avec l'opération. L'autre bagaille, il parle de renseignement et stratégie. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste dans la question de sécurité. Mais m'entendez mon cap parler. Je dis comme ça que renseignement qui c'est information et stratégie dans la question sécurité est fondamental. Nèg yo témoigner guerrier. Nèg yo confirme que dans sens ça bandi yo plus bien organisé que la police nationale d'Haïti. C'est pas blague non, Ralph Sénégal t'a fait. L'el t'a dit comme ça que Jean Louis monsieur organisé yo. Est-ce que tu connais guerrier du seul? Si une quoi policier ça on me parler avec yo. Bandi yo gagné des moun au niveau d'une série de stations en dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Là, je parle de stations, je parle de stations machines, je parle de stations moto. C'est ça, mon yorele, antenne. Ça veut dire, même le bandit n'a pas sorti côté lié, mais il y a des gens qui travaillent avec lui. Il y a des chauffeurs moto, il y a des gens qui chargent les machines, il y a des chauffeurs camionnettes. C'est les gens qui là pour balle des informations matérielles en fonction de ça le besoin. Si c'est guerrier le besoin font bagaille, si c'est guerrier le besoin kidnapper, il y a une possibilité pour mettre une antenne sous guerrier. Comme ça tout, si c'est la police le besoin qui contrôle la police pour la font bagaille, il y a des gens qui dans la rue qui le payer pour ça qui pour travailler avec elle. Donc ça veut dire sur le plan de renseignement ouais, la bandit baille beaucoup plus d'importance à renseignement que autorité. Et pourtant, il y a des gros l'argent qui est disponible pour question renseignement dans le pays. Au niveau de la primature, il y a l'argent disponible. Au niveau du palais national, il y a l'argent disponible. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a l'argent disponible. Au niveau de la police, il y a l'argent disponible. Maintenant, qui ça l'argent ça a offert? Moi-même, moi pas connais. L'autre bagaille, on nous dit qui est important. On dit monsieur, est-ce que c'est vrai qu'il y a de la police, des policiers pardon qui dans institution police là qui dans gang? Nagyo dit m'a parlé là avec des policiers. Des policiers qui en fonction. On va vous citer dans parce que il toujours dans institution police là. Je dis effectivement, il y a des gens qui dans la police qui ont des rapports avec gang. Je dis comme ça que il y a des policiers qui dans des groupes armés, il y a des policiers qu'on y a là qui ont des rapports avec eux, qui collaborent avec eux, mais il y a des policiers qui travaillent avec eux. Et trois niveaux. Ou bien doit dans gang là, ou bien doit pas dans gang là ou collaborer avec eux. Ou même ou bien tout, ou bien doit dans zone côté gang là et pour gérer eux même leur pas collaborer avec eux comme policiers. Mon ferme jour sur ensemble de bagages parce que femme est dans zone là, petite est dans zone là et la trier. Donc c'est ça que fait. Tout le monde croit qu'il y a une nécessité pour faire un vetting dans la police. Mais vetting ça, pour me faire, ce n'est pas seulement un agent. Parce que il y a des gens qui ont au commandement tout, qui ont une relation avec le groupe armé. Récemment, il y a un père Maisonneuve qui font une déclaration là, en pile le monde saisit. Il dit que il y a 40 à 60% de policiers qui ont un groupe armé. Qui a rapport avec gang, pardon, ou bien tout qui a travaillé avec gang, ou bien tout
qui ont certaines relations avec gang. Moun saisi, moi m'pas saisi, pourquoi ça m'pas saisi? Parce que m'étais bien comprendre démarche li a. En description police là, il y a 16,000 moun. Li même fait travail li a sur 1,000 moun. Il est capable de jouer 40 à 60%. Quand il y a là, s'il fait sous 3,000 sous 4,000, il y a 20%. Oui. S'il fait sous 5,000, 10,000, ça va arriver à 10%. Il a réduit. Mais peut-être c'est précision qui manque. C'est voilà. Mais m'a porté dans le moment où fait exactement. Faut que vous compreniez. 40 à 60%, ça, c'est pas sur l'ensemble des policiers qui constituent l'institution. Mais c'est plutôt sur échantillon lui-même qui prend. Par exemple, si c'est 1,000 policiers lui-même qui choisit de travailler sur eux, il a joué 40% à 60%. Mais pas étonné si là il prend 5,000, donc mal ça lui réduit tout carrément. OK? Donc, il y a des gens qui te posent problème de conditions de travail. Question salaire, policier qui a mal dormi dans le commissariat, policier qui pas mangé bien, ou état au soupement, etc. Moi-même, je te dis ça pas justifié pour autant que un policier doit aller dans le gang. Parce que moi, je connais des policiers qui respectent les têtes dans l'institution. Il y a des policiers, que ce soit agent 1 ou bien agent 2 et autres, qui respectent les têtes. Mais il y a des gens qui ont au commandement tout, qui consacrent la vie à institution ça qui réussit faire un nom au nom de la morale, au nom de l'éthique en dans institution ça. Mais il y a des gens qui sont vagabonds dans institution. Il y a des gens qui prennent institution pour couverture légale pour faire ça malhonnête. Et il y a des nègres qui sont dans institution la police là qui en dans qui utilisent ça ou comme grade à fonction pour faire l'argent pour enrichir tête de manière sale en dans institution. Par exemple, moins gagner des informations, il y a des policiers pendant ce temps il a payé le entre 25 à 30 000 gouttes le mois, mais que des policiers, chaque samedi par exemple, c'est plusieurs centaines de dollars américains, oui, que un groupe armé Bali parce qu'il collabore avec nous au niveau de l'autre. Il y a des policiers qui allaient jusqu'à des milliers de dollars américains. Oui. Peut-être que ça m'a dit matin, puis le monde a estimé que non contexte comme ça est capable de fragiliser l'institution police là. Mais attention, moi je pensais que jeudi à côté de là, pas un bien caché l'ombrite encore. Nous avons une institution police, nous croyons que le cas est résultat. Mais pour le résultat, nous avons un ensemble de problèmes, il faut nous résoudre. Parce que force la Gabine, nous avons dit ça hier, nous dit ça plusieurs fois ici. L'Elvini n'est pas aidé à résoudre les problèmes structurels, il n'est pas aidé à agir sur l'urgence. Mais si on allait tout, demain si Dieu veut, faut que nous agissions en façon pour nous résoudre le problème une fois pour toutes. Parce que nous-mêmes, nous devons faire des approches symptomatiques de situation. Par exemple, nous avons une maladie là, au lieu de chercher qu'on est qui sa maladie est pour nous guérir la maladie là. Nous agissons sur symptômes de ban. Par exemple, s'il va un petit rhume, n'achetez un comprimé pour rhume. S'il va un petit tête fait mal, n'achetez un comprimé pour tête fait mal. Faut quitter ça. Faut d'accord que ça aussi symptôme mieux. C'est des signes qui disent qu'on s'accueille à la pas bon pour aller dans source pour aller résoudre. Donc, pour finir guerrier, donc oui, la police t'a capable de bas résultats. Et ça fait dans le monde qui toujours dit, yo croit que faut gagner une aide technique à l'institution policière. Mais, il y a un monde qui croit que pour la police, ça va résultat. Question politique, là, faut que gérer ça dans la police là. Question équipement, question matériel, question renseignement et question vêtement pour écarter mauvais grenou. Et moi-même, moi d'avis que gagne en unité anti-gang. Et pas ça n'y est là. En vraie unité anti-gang dans la police. Ça, c'est-à-dire, ou prend des policiers professionnels, des policiers qui respectent les têtes, ou à garde passé, qui dans différentes unités, ça, ou capable de prendre et pour créer une unité vraiment spécialisée. Ou bah ou des formations adéquates, ou bah ou des technologies qui allaient avec ça ou rien comme mission. Hein? Et puis tout policier ça, et pas pour mettre souffert ou non. Vous mettez gros l'argent disponible pour vous. Vous mettez l'argent disponible, valez l'argent de Gab Gaspillé là. Mettez l'argent disponible pour famille, mettez l'argent disponible pour petit, pour madame, pour si jamais vous avez qui arrive. Et puis bah au moins est nécessaire. Et puis faire jouer d'une certaine autonomie pour pas sous coupe régler les politiques. Que le ministre de justice ou bien premier ministre. Et après ça, mettez-nous dans la rue pour essayer de faire un résultat, Gabriel Jussef.